Alors, pour moi, les bonnes raisons de venir au congrès de Saint-Malo cette année, c'est d'abord d'écouter les plénières. Les plénières, c'est toujours un super moyen d'écouter les grands noms qui font la douleur et souvent de découvrir des nouvelles thématiques avec cette année une plénière qui nous partagera l'expérience de la douleur sur la mer. Ensuite, une autre bonne raison, c'est de voir tous les posters qui nous permettent de découvrir des nouvelles façons de prendre en charge les patients, des nouvelles façons d'organiser les structures douleurs chroniques, de découvrir des innovations dans le domaine de la douleur, que ça soit la recherche, la structure, l'écoute, l'éthique, etc., etc. Une autre grande raison de participer à ce congrès, c'est de rencontrer tous les acteurs de la prise en charge. Ces congrès de la douleur, c'est vraiment toujours très convivial avec des moments de rencontre entre les sessions qui nous permettent de nous mettre en lien, de rencontrer des nouvelles personnes et des nouvelles façons de voir les choses. Donc, je vous invite à suivre toutes ces bonnes raisons et de vous inscrire dès maintenant au congrès.